Nous allons voir le fil d'actualité. Le fil d'actualité est accessible en cliquant sur le F ou en cliquant sur Accueil. Je clique sur le F. Et ici, le fil d'actualité qui apparaît correspond à quoi ? Ça correspond à l'ensemble des informations que saisissent vos amis. Par exemple, cette personne a saisi ça sur son Facebook, donc elle apparaît. Si jamais ce qu'elle saisit ne m'intéresse pas, je peux mettre ma souris sur son nom et éventuellement me désabonner. Si je ne veux plus être ami avec cette personne, je clique sur « Amis » et je la retire de la liste de mes amis. Si je veux lui faire un coucou, je clique sur « Hello » et si je veux lui envoyer un message privé, je clique sur « Message ». On peut, sur les posts que cette personne a saisis, on peut mettre des commentaires, cliquer sur « J'aime ». Ici, c'est de la publicité, ce sont des pages suggérées. Ici, donc en fait, les informations que vos camarades ont saisies, enfin, que les amis que vous avez dans Facebook, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et vous avez encore des amis, Thomas, page perso, publicité, page perso, ça c'est donc en fait une page pro qui apparaît parce que la personne a fait une publicité et éventuellement vous cliquez sur la page. Donc ça c'est pas une personne, c'est une page. Une invitation, une page pro, on peut cliquer sur j'aime. Ce que vous, ici, vous écrivez, apparaît sur le fil d'actualité ici, chez les gens qui ont cliqué sur j'aime sur votre page.